je vais aller là pour cette game. Je rappelle que ce n'est pas un tuto à record de kill ou autre, c'est juste un tuto pour les personnes qui galèrent à faire des top 1 par exemple. Ou ceux qui veulent en faire beaucoup plus. Bon, toujours regarder autour, prendre l'information. Pour l'instant je vois personne. On va pouvoir looter tranquillement. Ah, j'ai loupé le pont. Pensez aussi à taper tout ce qui est bois dans les bâtiments. C'est assez important d'avoir un maximum de matériaux. C'est ce qui donne l'avantage dans un 1v1. Voilà, donc là on est stuff. On a du shield. Ah, il y a un mec là, ok. Alors je vais pas l'aggro de suite. Comme il y a la zone qui me push. Je vais juste le suivre, tranquillement. Sauf s'il s'arrête comme ça, évidemment. Ça, c'est free kill. Oh, RPG en plus. Donc là, bah, j'ai le stuff parfait, en gros, pour faire top 1, selon moi. D'autres n'aiment pas le RPG. Soi-disant OP. Mais bon, on n'est pas là pour le beau jeu. Toujours courir en sautant aussi. Avoir un maximum de matériaux, c'est le top. Là j'ai 1000 de bois. On voit quelqu'un ici. On va pas l'agresser de suite. On n'a pas la zone. On voit qu'il visait quelqu'un. On va juste prendre la hauteur sur la colline. On est au-dessus de lui, il est AFK, il prend une balle. Il a pris une balle de snipe, il peut se faire ouais ce rocket, on y va. Il est là, c'est free kill. Toujours avoir la hauteur sur l'ennemi. Il a quand même une slug jug. J'ai lâché le sniper, j'en ai pas trop besoin. On a vu qu'il y avait une autre personne là. Je sais pas exactement où il est. On va pas s'attarder si on le trouve pas. On peut juste se diriger en zone. Et prendre la hauteur ici. L'important pour faire top 1, c'est de pas prendre de risques. Et de jouer safe. Et d'assurer les kills. Quand on est sûr de le faire. Toujours sauter en courant et regarder partout, c'est important. Ok, il y a une personne là. Il nous a vu. On va s'enfermer pendant qu'il a le jump. C'est assez fort donc. Et une autre personne qui snipe. Il se fight avec une autre personne. Ok, il me fait tomber. Il y a un autre mec là-bas. Ça va être chiant là. Ok. Il y a l'autre qui est je ne sais pas où. On va aller le looter tranquillement. Il va être sur Tetris. Ouais, il est là-haut. Il a pas la zone, on s'en fout. On va monter plutôt. Quand il aura fini. Il a pas la zone, je vais monter là-haut. Faire gaffe, il a un sniper. Quelqu'un est déjà monté là, apparemment. A voir s'il y a encore. Il a l'air, il est là. On bazook. Ça touche. On prend pas de risque, c'est bête de faire des dégâts là-dessus. Hop.
vérifier que personne monte où on est. Enfin, d'où on vient. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Donc, il y a une personne là, il y a un mec contact. Il y a un mec contact qui monte. On l'a touché. On va monter, il a un jump. Il l'a plus. Bon là. Il était en bas, il avait pas l'avantage. C'est juste pour prendre l'info là. Il y a un mec en bas. Je vais prendre le sniper un petit peu vite fait. On va tenter. Faut pas piquer trop longtemps au sniper, on sait jamais. Il y a bien un mec derrière moi, c'est ce qui me semblait. On va prendre la hauteur. Ça touche. Coup de pompe. On assure le kill. Hein. Un coup de bazooka, ça suffit en général, ça vire le shield. Jug. Et on va lâcher le sniper. Hop, on va en zone, on va aller tenter de se mettre sur le dépôt. C'est la hauteur, il y a déjà quelqu'un, ok. On a l'info du coup. Il reste 7 personnes. Il m'a vu. Ouais, on a vu. J'ai 2 tremplins, je pense qu'on va le rusher directement. Je vais me poser sur l'autre dépôt en gros. En bazook, ça touche. On prend la hauteur. Trop haut. Pompe, il est tombé. Ok. On va juste aller le looter tranquillement. Il y a un autre mec qui arrive. On va remonter sur le dépôt. Ok, là j'étais assez safe. On a l'info sur une personne qui est là-bas, il en reste 2. On va aller le looter vite fait. J'ai utilisé un medkit parce que j'en aurais pas besoin. Et je vais me mettre à sand shield. Là c'est un peu risqué de space cover, on va le faire. Il reste 2 personnes. Pour l'instant, ça se passe bien. Ok. On va avancer. Je pense qu'ils sont vers là-bas. On va essayer d'aller vers là. Il y en a un dans la base, là, je pense. Et un très certainement en face.
tapé un peu de bois, on a perdu. Faire des top 1, il faut être quand même assez à l'aise avec ses constructions, sinon c'est compliqué. Non, pas maintenant le ping s'il te plaît. Ok, il y a un mec en tremplin là, je sais pas ce qu'il fait. Il rush la zone ou il me rush moi? Ok, il m'a vu, il a pas l'air mauvais. On rush par dessus, on sort le bazooka. Ça touche pas, je suis pas bien. On prend la hauteur. Ça touche, ça l'a calmé. On va utiliser la slug. What? Ok. Il tremplin. Il a eu peur. Le bazooka ça met la pression donc c'est pas trop mal. Oh là là. Il a pas l'air mauvais. Ok, il décide de lancer greu. Oh merde. Ok, ça c'était pas prévu. Il est casse-couille. C'est du 1v1. Il me rush. Il m'a raté. Bazooka ça touche, ça détruit le tremplin. Il est pas bien. On s'écarte pour prendre l'info. Il est en bas. On assure le kill. C'est GG. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme on me l'a demandé plusieurs fois. Et à dans une prochaine vidéo. À plus.